Alors, je suis très heureux d'être en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. C'est un pays magnifique, beau, mais un pays de football aussi, un pays qui a déjà sorti des champions, y compris des champions du monde comme Christian Carambeu, des champions de football. Un pays de football qui respire le football et on est là pour continuer à investir, on est là pour inaugurer le siège social, cette académie de la fédération et de continuer à travailler avec mon ami Gilles, le président de la fédération et toute son équipe ainsi que le gouvernement. Oui, ben merci au président d'être venu jusqu'à nous. Il a fait le tour de l'Océanie, comme il l'a dit tout à l'heure. Donc il finit la boucle ici sur le territoire. Et ben, je ne peux que le remercier et puis d'en être très fier qu'il soit passé aujourd'hui pour inaugurer le siège social de la Fédération canadienne. Merci. Merci. C'est peut-être une visite de 24, 48 heures, 72 heures. Bonjour. Bonjour, jeune fille. La Nouvelle-Calédonie en 2017 est le dernier pays du tour que j'ai fait maintenant. Celui-là est en train d'être facile, et que je vais faire un petit demander pour personne. Je m'adresse à Papa Yuri, qui a fait rêver beaucoup de temps. Le président, il les a fait travailler. Dur en plus. Hein. C'est comme c'est, c'est comme c'est, c'est comme c'est. Okay, allez. Voilà. Allez, pas loin. Qu'on vous offre de votre passage ici en Nouvelle-Calédonie. Et puis, je veux dire aussi que ce 15 août. Simplement que vous vous souveniez que vous êtes passé ici à Païta et que vous devrez revenir ici à Païta. Ah voilà, l'amitié est sans doute. Là, oui, exactement. Voilà. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Merci. Merci. Merci beaucoup. Ça, si jamais le stade ici à Païta. Merci président. Merci président. Merci. Merci. Merci pour tout. Merci, c'est un honneur. Merci. Merci. Avance Baptiste, avance. Voilà. Jouez les verts et orange, c'est bien les gars, vous êtes bien battus. C'est vraiment Ronaldo. À l'Inter, c'était le binôme Ronaldo, Djorkaeff, Sandro. Pardon. Il est au lit, il est disparu en vrai. Les garçons.